Bienvenue au Grand Prix d'Autriche, ici à Spielberg. C'est jour de course et les voitures sont déjà sur la grille alors que les pilotes finalisent leur préparation et attendent l'extinction des feux. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un puisque les pilotes peuvent le passer à fond. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications. Tu as pas mal de temps avant le premier virage. Fais attention aux voitures qui vont freiner devant toi. On va peut-être pouvoir profiter d'éventuels accrochages tant que tu n'es pas impliqué dedans.
superbe. Tu as bien mérité cette victoire. Saluons la performance de Toro Rosso qui signe une superbe victoire. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat? Ce qui est sûr, mon cher Jean-Paul, c'est que les amateurs de vitesse et de dépassement ont été servis. Passage à l'intérieur, à l'extérieur, il y en a eu pour tous les goûts. Il est réjouissant d'assister à une victoire de ce genre dans un grand... Place à la cérémonie du podium. Dans une écurie dont la philosophie consiste à offrir aux jeunes pilotes un volant et une chance de gagner, c'est Toro Rosso qui l'emporte aujourd'hui. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui? Ce n'est pas une question facile que vous me posez là. Je dirais Pierre Gasly. Il a parfaitement géré la pression et a brillé malgré les difficultés rencontrées. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous du premier virage. Au revoir et à très bientôt.